Bonjour à la maison, c'est moi Giz pour une autre vidéo de cartes Pokémon et aujourd'hui je suis accompagné de mon collègue Laurent. Allô? Jeu, c'est sérieux, comment ça va? Jour bon, ça va très bien. Toi Giz? Écoute, moi je vais très bien et je veux faire un test de chance. Okay. J'ai décidé qu'aujourd'hui on allait ouvrir mes cartes. Ok. C'est à moi, mais je veux voir si t'es chanceux. On a deux boîtes, on a la boîte de Crobat et on a la boîte de Dragapult. Les deux contiennent 7 boosters. On va avoir un système de points, on va s'affronter. Et là, ferme les yeux, je les brasse. Ouais, je regarde pas. Amène ta main vers l'avant et choisis-en un. Ok. Non, je prends l'autre. Ok, parfait. Je te trosse pas. Je comprends, c'était peut-être hey, truqué. Rose. Donc Laurent aura la magnifique chauve-souris et moi j'ai celui-ci. Avec Dragapult. Et pour l'affrontement, Laurent, on fera un point par rare, reverse et holo régulière, 2 points par Amazing Rare V ou VMAX, 3 points pour un bébé shiny, 4 points pour une Full Art Shiny ou un dresseur, 5 pour une Rainbow Rare, 7 pour une carte en or et 10 pour le Charizard G-Max Shiny de fou. Ça serait malade qu'on en ait un. En autant que c'est pas moi qui compte puis que tu te comptes à ma place, moi, c'est chill. Alors, Laurent, la première étape, ça va être d'ouvrir nos boîtes et d'aller chercher les cartes promo sans les endommager. Tu veux qu'on fasse ça simultané? On fait pas une boîte à la fois? On fait ça simultanément. OK. Sans rien endommager. Ben là, c'est pas grave si on endommage le carton. Ben mais... là, te dis rien. Regardez ma belle grosse chauve-souris. Un Crobat VMAX à 300 points, super géant, ça, là, ça fait ce bout. Ben oui, ça rentre même pas dans la caméra, puis moi, c'est mon Dragapult géant VMAX, on voudrait dézoomer, mais la caméra peut pas aller si loin que ça. Ça va te prendre un plus haut plafond. Tiens, mes deux belles petites cartes promo, Dragapult V et Dragapult VMAX, et ça vient aussi avec une scène géante pour faire des piloufaces, parce que Laurent, à Pokémon, contrairement à Magic, il y a beaucoup, beaucoup de piloufaces. Ouais. Il faut souvent faire ça. Et ok, mais ben, je vous regarde de mon côté. En fait, je vous présente de mon côté les miennes, mes cartes promo et mon jeton. Tu vois ça? Il est super fâché. Crobat, il est à bout. Il est à bout, il ne se peut plus. L'important, c'est les boosters qu'on a à l'intérieur. Ouais. On en a 7 chacun, un chiffre rond. Donc, ça va être ça nos armes pour le combat. D'accord. Alors, je vais commencer, Laurent, pour briser la glace, pour te montrer un peu. Donc, en gros, ce qu'on fait au début, on va montrer le code, on va tourner, on va compter 4 cartes. OK. Comme ça, quand on va tourner comme ça, la première, ça va être une énergie. D'accord. Normalement, on va essayer de deviner l'énergie, mais là, j'ai oublié. Bon, ça, c'est l'énergie Pikachu. Oui. Alors, on a Ball Guy, lui, il est bizarre, il se cosplay en Pokéball, il est vraiment weird. On a un Cormorant, qui est une télésérie de type Pokémon. On a Twaki, on a un Orsi, on a Roulette, on a Morpeko, ensuite on a Spinarak, on a un Snom, Nikit, Nicki Minaj, wow, je l'échappe, et ben en là, dessous, voyons donc. Il y a un Indeedee, donc Laurent, hey, je viens comme ça, sans crier gare, gare, je viens de marquer 3 points avec le Shiny et ben 1 là. Point avec la Holo. Mais non, c'est pas juste. Alors, Laurent, à toi d'ouvrir ton premier paquet. Je fais ça direct en partant. Go! Bon, donc, voilà, ça c'est la première carte, mais on s'en fout, on verse ça là. Le code. C'est vrai, le code en premier. Ouais. Check ça, mais un code. C'est bon. Là, je vire, puis là, tu veux que je fasse 4 cartes. 1, 2, 3, 4 cartes. On fout ça en dessous, puis let's go. Ouais. All right. On devine l'énergie. Moi, l'énergie. Vas-y, devine. Moi, je pense que c'est brun. J'aime ça. Coup de poing en face. Let's go. Ça existe-tu? Ouais. Ah! Mon fibreux, ça se ressemble. C'est presque pareil. D'accord. Bon, ben on a ça. On a un Floatzel. Mais ben, voyons donc. Un Rusted Sword. Un épée rouillée. Mais ben, c'est pas un Pokémon. Qu'est-ce que c'est ça? Un Dartrix. Un Yama. C'est toutes des cartes que j'avais jamais eues avant. Parce que j'ai jamais ouvert aucun paquet. Eevee! Ben oui! Je sais pas, j'en fais un cas parce qu'il est sur un jeu Switch. Yama, puis là, est-ce que j'arrive à l'avant-dernière? Qu'est-ce qui se passe? Un Cormorant Reverse, ça vaut malheureusement pas de points. Ben voyons. Et un Drevna. Un paquet de zéro pour Laurent. Donc, c'est arrangé avec le gars des vues. En tout cas, merci Laurent de participer. Je me souviens quand Pokémon Go était sorti, puis qu'on se promenait dans la rue ensemble. Mais depuis ce temps-là, t'as pas donné beaucoup d'amour à mais Pokémon. Non, mais c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'au début de Pokémon Go, attraper les tous, tu sais, on avait espoir. Puis après ça, j'ai compris qu'on les aura jamais tous. Il va toujours en avoir plus. Tout le temps trop. Bon. Alors, je dis énergie de type feu. Ah, c'était là la brun. Ben là. Oh là 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 là. Alors, on a un Floatzel.
On a Wolf, Dartrix, je m'accroche dans mon micro, Rotom, Koffing. On a un Morpeko, Orsi. Ensuite, on a un Spinarak, Roulette. Un Morpeko, ça vaut pas de points, là. Mais il y a des hologrammes, ça compte pas. Ouais, c'est juste une Reverse et un Manaphy, 0 points. Bon, nouveau paquet, attention, les amis. Et voyons, j'aille tout. Mais Laurent, tu disais... Je suis pas très bon. Là, Laurent, tu viens de faire ce qu'il faut pas faire, tu viens de montrer la carte en arrière. Mais non, mais c'est le code QR, on s'en fout. Ok, vas-y, vas-y. Ben, je sais pas. C'est pas grave. Bon, mais je sais pas. 1, 2, 3, 4, on envoie ça en arrière. Il y en a bien 4, je pense que oui. Ah, 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 checkez ça. Ah, fallait deviner l'énergie, mais trop tard. Fait que c'était un œil. L'énergie... De type yeux. De type yeux, tout à fait. On a un Tropius. Un Bald Guy, moi aussi j'ai ça, le cosplay de Pokémon. L'épée rouillée encore une fois. Gros siffleur qui se prend pour une grosse fleur. Chootle. Morpeko. Caca. Non! Orsi. Puis finalement j'ai un Sphinx, mais qui vaut pas, on s'en fout, même si c'est hologramme. Puis j'ai un Trainer, Boss Order. Zéro! Pourri! Point. Bon ben après, deux paquets chacun, je me trompe pas. C'est toujours 4 à 0. Pour moi, on s'en va voir autre chose. Ok. Toi. 1, 2, 3, 4. Je dirais énergie de type complètement mouillé. Ben, c'est peut-être un œil qui a pleuré beaucoup. C'est vrai. Sèche ton œil, sèche ton œil. Je t'en prie, sèche ton œil. Je pense pas que c'est ça la toune. Floatzel, l'équipe des serviettes criantes. On a Spinarak, Shinx, Horsey. Oups, je tire trop de cartes en même temps. Yanma. Morpeko, un Dreadnought Reverse, et ça, Laurent, ça vaut un point, parce que c'est ah oui? Une Reverse rare. Pour savoir si c'est une rare, il faut regarder s'il y a une petite étoile. Ben là! Et la professeure recherche, je marque un autre point! Je n'ai pas dit mon dernier mot, il me reste encore d'autres paquets, puis de la volonté de... Je suis pas capable. Donc, voici, voilà. Emballage papier, donc code QR, check ça. Puis, on vire ça de même. Ça va bien, ça va bien. 1, 2, 3, 4. Je suis pas habitué, on va essayer. Ok, on essaye de deviner l'énergie. Moi, je pense que c'est du vent. Gabriel et Trois Maisons. Ah, oh. Oh, de l'électricité. Au Québec. Ouais. Ball Guy, encore lui. Fatigant. Ben ouais. Twakny. Cormoran. Le problème de cette série-là, Orsi. C'est qu'il y a pas beaucoup de cartes, fait qu'on tombe souvent sur les mêmes. Ouais, c'est ça. Morpeko. Les Épinards. De la neige. Oh, oh, t'as quelque chose, Laurent! Oh, c'est un quoi shiny, ça? Quoi? J'ai un shiny! Tu vis ça? Oh, il est beau! Il est pas mal plus shiny que d'autres shiny que j'ai vu avant. Ben oui, passe-moi attention, ça. Qu'est-ce que j'ai? Ben là, ça va bien! Greedon V! Tu vis ça, c'est... la belle barbe après ça? Hey, on dirait points. Moi en Pokémon. Laurent, tu viens de marquer 5 points. Wow. D'un seul coup, tu viens de créer l'égalité. Nice! Ok, ben je commence à aimer ça, les cartes Pokémon confirmées. Bon, Laurent, c'est vraiment pour ça que je t'ai invité, parce que je sais que t'es chanceux, en général. Surtout quand t'aimes pas quelque chose, t'es bon. Ah là-dedans. Ouais? Oui, t'es bon dans ce que tu n'aimes pas. Ben voyons donc. Mais non, mais comme j'aime rien, je serais bon dans tout, ça se peut pas. Ben c'est ça, t'es bon dans tout, what? Justement. Ça, alors... c'était-tu mes cartes? C'est mes cartes. Oui. Je prends ça, là. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais dire énergie de type encore Gabriel des Trois Maisons. Yes! Oh, attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Habituellement, quand on devine l'énergie, on a une bonne carte. Ah ouais, ok, ok, wow. Rusted Shield. C'est ensuite, on a quoi. Eldegoss, Chootle, Eevee. On a Nicki Minaj, qu'on a eu Shiny tantôt. Orsi, un Snom, Eldegoss, qui vaut rien. Et un Indeedee pour un maigre point. Ben, c'est au moins ça. Tu prends l'avance. Mm-hmm. Ok, bon, ben c'est rendu à mon tour. Attention, les amis. Ah, on spoil le Sphinx. J'ai décidé que je l'appelle même. Ah oui, c'est vrai. Code QR, check ça. Je sais pas. Ok, 1, 2, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Ok, l'énergie, moi, je pense que ça va être bleu. C'est peux-tu de l'eau? Ah, c'est gris, c'est presque bleu. Énergie matière grise, on l'aime bon. Pas, elle. Tropius, encore Ball Guy. Voyons, oh, il gosse Laurent, beaucoup, là. Tu spoil, je regarde pas, vas-y, continue, non. Continue. Regardez pas, je suis super habitué, ok? On a une épée rouillée, on a un autre Sphinx, un Roulette, Guillette, un Eevee, Morpeko, Buzel.
Un Qu'est-ce shiny! Qu'est-ce que c'est ça? 3 points pour Laurent! Il y a un esquie shiny! Il y a une tête carrée, tu penses qu'il parle en anglais? Je l'aime tellement! Je l'ai pas dans ma collection! Ouais! Mais ça, c'est ma collection! Oui! Ben, théoriquement. Puis ça, c'est le fun, ça! Ben oui, c'est un autre point! Wheezing! Laurent! Ben, t'es en feu! Mais en feu, mais c'est toi qui avais l'énergie de feu, ça marche pas. Bon, ben, Laurent, il nous reste 3 paquets chacun. C'est 9-6 pour toi. Je vis des moments très difficiles. Zen! Mais en même temps, ça reste mes cartes, donc je suis content. Ouais, c'est vrai. On salue Yanma. On y va comme ça. 1, 2, 3, 4. Je dis énergie de type. Je vais aller avec Till qui est dans Stargate. Non, électrique. Ok. Oh! T'as-tu regardé? Non, j'ai un feeling. C'est une question de feeling. Ouais. On a un gym trainer. Toi qui. Floatzel. Ensuite, on a un Yanma. Je suis pas du tout à bout de bras. Morpeko. Chootle. Mais là, tu spoil. Eevee. Ah non, j'ai-tu spoilé? Orsi, on a-tu vu quelque chose? Un Volcanion. Est-ce que c'est une rare? Est-ce que c'est une rare? Oui! Un point pour celle-là! Ok, puis t'as Manafi, oublie ça? On l'a eu, elle. Oh, Manafi, pauvre monsieur. Bon, let's go! C'est Koufan! Ben oui, à Koufan. Si jamais ça cille dans vos oreilles, c'est à cause de lui. Donc, 1, 2, 3 et 4. Mets ça en arrière. L'énergie, moi, je pense que c'est gris, une énergie de roche. Pas en tout, mais c'est vert. C'était une énergie de type tourbe. Là, le gazon de l'enfer. Donc, une épée, voyons, un bouclier rouillé. une serviette pour l'équipe jaune. Ben, non, l'équipe qui crie. Excusez, pardon. Elle dégosse, gosse. Acouphène, encore une fois. Bouzelle. Les épinards. Le sphinx. Voyons donc. Un coffing. Il est drôle, lui, un peu. Tu veux ça? Oh, il y a quelque chose derrière, Laurent. Il y a quelque chose. Non, non, mais ça t'impressionne pas. Non, là, on l'a eu. OK. C'est Pikachu, mais c'est pas Pikachu. Oh! C'est The Race V. Non, mais t'as-tu vu? 2 points. Nice. Alors, il me reste seulement 2 paquets. Ben, 2 paquets chacun, Laurent. Je tire de l'arrière. Est-ce que je vais revenir? La réponse est ben oui. La réponse est ben oui. J'aime ça, t'es confiant. Ben oui, ben il faut. Ah oui. Il faut. Wow! 1, 2, 3, 4. Je vais y aller avec une énergie de type complètement mouillé. Genre, c'est humide, là, c'est... Mais c'est pas humide. Ben, à moins que tu pleures, encore une fois. Ouais, on dirait qu'à chaque fois que tu penses à l'eau, c'est l'œil. Tiens ça. Eldegoss. On a un Tropius. On a Grookey Aardvark. On a Trapinch. On a une Libellule. Koffing. Un Morpeko. Oh! Reshiram! Ça, c'est une... c'est une Amazing Rare, pardon. C'est 2 points. Oh! Et... rien. Non. OK, Laurent. Là, tu mènes 11 à 9. Il te reste 2 paquets. Il m'en reste un seul. On va te faire ouvrir tes 2 paquets un après l'autre. Oh, ouais. Comme ça, pour garder le suspense, peut-être que mon paquet pourra rattraper le retard à la fin. Donc, vas-y. À toi, Laurent. Oui. Bon, ben, je commence ça tout de suite. J'ai tout. J'ai bien de la misère. C'est parti, mon kiki. On va dire à l'emballage de laisser-faire. Bon, voici, voilà. Code QR, let's don't fear. Bon, donc, attends une minute. 1, 2, 3 et 4. Mets ça là. Ramène ça à l'endroit. Oh non, énergie... énergie de type Pokémon. Ben oui, j'avais oublié. Énergie de type Pokémon. Oui, exactement. Wow. Donc, je voulais dire Pikachu, en tout cas. Épée rouillée. Une Lexus. Un Twaki. Un Boisson. Un Yamaha. Je sais pas si c'est le clavier ou la moto, mais c'est Yamaha, c'est clair. Trapinch, Nikit, un gros siffleur. Chutetetun. Ben, c'est pas grand chose, ça. Non, c'est rien. Hein. Mais ça, tiens une quenouille. C'est rien. C'est rien. Fait que vas-y, Laurent, tu peux tout de suite ouvrir ton dernier paquet. Okay. Pour voir quelle avance je dois battre. Je rappelle qu'un Charizard, c'est 10 points. Hein. Fait que même si tu mènes par 9 points avant mon paquet, il y a encore de l'espoir. D'accord. Ok, bon, let's go. La misère à ouvrir les paquets, je manque un peu d'expérience. Désolé les amis à la maison. Donc, un Yamaha, le code QR, on laisse fur. 1, 2, 3 et 4. Ramène ça comme ça. Et c'est parti pour de l'eau. Enfin de l'eau, Colin. J'ai tellement souvent dit eau que là, j'ai oublié de la deviner encore une fois. Un Rotom. Un épée rouillée. Une Lexus. Un Yamaha. Morpeko.
Coughing, il tousse beaucoup. Gros siffleur. Caca. Oh! Oh, un point pour ça, parce que c'est le rare reverse. Bravo! C'est ça? Full holographique. Mais attention, 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 attention! Un autre point! Ben là, ça va bien! Deux points pour Laurent! C'est un Weezer! J'aime ça! Oui, I look just like that. Non, je sais pas. Bon, Laurent, un moment qui sera peut-être épique ou pas, c'est 13 à 9 pour toi. Je dois donc faire au moins 4 points pour l'égalité. Allez, c'est parti. T'imagines-tu si on finit avec un Charizard? Ce serait l'épisode le plus épique ben de l'histoire. Donc. Alors, je vais y aller avec une énergie de type coup de poing en face. Oh! Okay. Oh yeah! Ok, en partant, je devine l'énergie. Fait que tu penses que tu vas avoir des bonnes cartes à la fin. C'est ce que tu disais tantôt, oui. Là? Oui! Rotom, un Cormoran, Rusted Shield, Gossifleur, Cacnea, Chutul, on a Eevee, on a Nikit. Ça, c'est un point. Bon, pour moi, ça. C'est un point et... Oh, un Zarude! Déception! Eh bien, Laurent, félicitations pour ta victoire. On va aller voir les faits saillants de toutes les cartes de cet épisode. Premièrement, nous allons saluer les cartes holo. Hein. On a pogné deux fois des Whizzing Galarien, deux fois des Indeedee et un Rillaboom. Laurent, c'est laquelle ta préférée? Whizzing. Ça me va. J'aime ça foncé. C'est sombre comme mon âme. Ensuite de ça, mention spéciale à nos cartes V et notre Amazing Rare. On les regarde. Amazing Rare is amazing. Je pense que... J'étais sûr que t'allais chanter Amazing Rare. Amazing Grace. Ben c'est ça, c'est Amazing Grace. Okay. C'est juste que je continue mes paroles après. C'était pas le même bout. C'était pas le même bout. J'ai pas ta voix. Il y a ça. OK, on a Greedent, Cinderace V et le Reshiram Amazing Rare. Yeah. Trois belles cartes. Mais là, c'est pas des shiny les meilleurs? Ah ben justement, les vedettes de ce match, les trois shiny, regardez-moi ça. On a Winston Pinkerchill. Ensuite, on a un SQ et Nicki Minaj. Trois shiny que j'avais pas, Laurent, je suis super content. Ben là! Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Laurent, de m'avoir accompagné. Ben oui, merci de m'apprivoiser un peu, me faire apprendre comment ça marche Pokémon et tout ça. Là. Oui, puis on a fait ça à la bonne franquette. On venait de tourner des épisodes juste et sérieux, donc on était un peu loin. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et ça me réchauffe parce que, Laurent, je vais réaffronter Gurky très bientôt. Oh! J'ai là, besoin d'être bon. Ben, en fait, j'ai passé ma bad luck. Pis c'est bon, ça. C'est bon que j'aille perdu parce que les statistiques font en sorte que probablement que contre Gurky, je vais être meilleur. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Puis en attendant, écrivez donc quelle était votre carte préférée de l'épisode dans les commentaires et on se revoit bientôt pour d'autres épisodes de cartes Pokémon. Ciao, Laurent. Bye.